Si on remonte aux origines de l'écriture, donc on est en Égypte, en Mésopotamie, en Iran, entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ, je pense que très probablement à cette époque-là, il y a 0,01% de la société qui sait écrire. Et notamment en Mésopotamie et en Iran, avec les tablettes proto-cunéformes en Mésopotamie et les tablettes proto-élamites en Iran, on est dans un contexte d'apparition de l'écriture où ce sont les managers d'entrepôts qui, afin de mieux contrôler les entrées et les sorties de biens, les transactions, pas forcément commerciales, mais du moins, de quoi parlent les tablettes proto-élamites? Ça parle de chèvres, de moutons, de céréales, d'esclaves. Donc on parle en fait un système uniquement administratif. Et je pense que c'est très probablement les gestionnaires d'entrepôts qui utilisaient ce système d'écriture-là. Donc il est très probable qu'à l'époque, la majorité de la population n'accordait aucune importance à l'écriture. C'était un outil de contrôle, en fait. Peut-être qu'en fait, ils voyaient l'écriture comme un outil de répression afin de mieux contrôler les biens. Je ne sais pas, c'est possible, mais parce que ça a été l'utilisation. Voilà, il faut éviter de penser que l'écriture a servi au départ à noter de la poésie, des faits historiques. Non, ça ne sera qu'au troisième millénaire que la sphère d'utilisation de l'écriture va s'étendre. Et en Mésopotamie, mais pareil en Égypte, hein, ils commenceront à avoir l'idée de noter des faits historiques ou un petit peu de littérature. La littérature, ça n'est noté qu'à la fin du troisième millénaire, avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, et pas avant. Ils en avaient, mais c'était une poésie principalement orale. Donc au départ, l'écriture en Mésopotamie et en Iran, c'est un outil de contrôle administratif qui devait sûrement servir à une partie très infime de la population.